Le psaume 112, Laudate Pueri Dominum, fait partie des psaumes des Vêpres de la Vierge parce qu'il exprime magnifiquement Marie, fille d'Israël, Marie dans l'attente du Messie, Marie confiante dans les promesses du Seigneur. Laudate Pueri Dominum.
Le psaume 121, le Laetatus Sum, est un psaume graduel, c'est-à-dire c'est un des psaumes que les Juifs priaient au cours de leur pèlerinage à Jérusalem, au moment où ils arrivaient dans la ville et qu'ils montaient les degrés qui donnaient accès au temple. Et donc, présenté ainsi dans les Vêpres de la Vierge, eh bien, c'est toute l'Église qui s'émerveille par la présence du Seigneur qui vient s'incarner enfin devant tes portes, Jérusalem. Eh bien, nous y voilà, le Seigneur vient à nous par la Vierge Marie. Vous trouverez dans la mise en œuvre de ce psaume vraiment un tempo de marche, le tempo du pèlerin.
À mon grand regret, nous faisons l'impasse sur le Nisi Dominus, parce qu'il nécessiterait une troisième configuration du cœur, et là, ça commence vraiment à faire trop pour nous. Donc, nous passons tout de suite à l'antienne suivante, Laudit Shelum. Thank you.
Passons au Magnificat, nous reviendrons en arrière tout à l'heure. Le Magnificat, le cantique du Nouveau Testament, c'est la prière par excellence d'action de grâce de la Vierge Marie au jour de la Visitation. Thank you.
Et donc après l'hymne L'Ave Maristella, nous terminons par le Lauda Jérusalem. Là, vous allez vraiment découvrir l'effet stéréophonique façon XVIe siècle.